Bonjour à tous, ici Idir, voici la vidéo de l'envoi PSA du mois de juin 2020. Beaucoup de cartes, beaucoup de participants ce mois-ci. J'imagine que c'est à cause de la situation du Covid hein, qui a fait que pendant plusieurs mois il n'y a pas eu d'envoi. Du coup, ce mois-ci, beaucoup de monde d'un coup. Alors, on a 13 cartes de Michael. Alors, je sais pas s'il faut prononcer Michael, Michael. Bon, tu me diras. Voilà. Donc que du japonais, que pas que de l'ancien pour le coup, hein. C'est soit du très ancien, soit du très récent. Ensuite, je trouve de la place pour poser tout ça ensuite. 12 cartes de Paul. Que du japonais aussi, il me semble, de mémoire. Principalement du Block X d'ailleurs. Très lourd cette carte-là. Ouais, que du Block X pour le coup. Puis, 3 cartes de Max. Une promo Deoxys du Block X aussi. Un Pikachu promo tout récent. Et une tour. Il aime bien cette tour, donc pourquoi pas. Ensuite, on a 5 cartes de Julien. 2 Mâconnieurs, 7 de base anglais. Et le trio des promos du film anglais aussi. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? 22, 21, 23. Hop, je vais les mettre dans le bon ordre pour l'envoi. 21, 22, 23. Ensuite, 3 cartes d'Evan. Un Shining Mew Kurokuro. Et 2 Pikachu du Pokémon Center de Shibuya, je crois. Ouais, c'est ça, Shibuya. On enchaîne avec 4 cartes de Nicolas. Un Dracaufeu avec Full Art. Un Dracaufeu avec Full Art. Un Dracaufeu promo des 20 ans. Et un Dracaufeu holo expédition. Ensuite, on a 14 cartes d'Alexandre. Donc c'est presque full cardas. Cardas, et juste à la fin, un Dracaufeu 7 de base et un Ectoplasma fossile. Alors juste là, hop, je vais mettre le trio dans le bon ordre. Voilà. L'ordre des cartes, là, c'est l'ordre dans lequel elles seront gradées en fait aussi. Donc si on peut les mettre dans le bon ordre, les envoyer dans le bon ordre pour qu'elles soient gradées dans le bon ordre, pour que les trios soient... Enfin, les numéros des cartes PSA se suivent et tout, c'est toujours plus sympa. Ensuite, on a 36 cartes de Bastien. Il me semble que c'est que des ex du Block X. Sauf à la fin. Ok. Voilà, 36 cartes de Bastien. Ensuite, on a un petit peu le bazar sur le bureau. Ok. 3 cartes de Clément. Donc Florizarre Retortank de l'intro pack. Et Celebi du Neo Premium File 3. Puis, on a 2 cartes d'Emmanuel. Un Osley Reverse et un Dracaufeu CP6. Six cartes de Florian. Que de l'anglais pour le coup. Vais peut-être les retrier aussi. Voilà, merde. Un peu plus ou moins dans l'ordre chronologique. Hop, mettre la Wizard en premier. Ensuite, on a 6 cartes d'Alex. Qui commence par un Alligator Obscur. Cynthia. Il me semble que cette carte coûte très cher en Jap. Je confonds peut-être avec une autre. Je sais plus. Hop, on va réorganiser ça aussi.
Mettre Mentali et Noctali côte à côte quand même. Ok. Ensuite, on a 4 cartes de Jason, que des crocodiles. Voilà. 3 cartes de Damien. Un Tortank de Team Rocket. Et Tortank 7 de base, Dracaufeu 7 de base. 4 cartes de Laurent. On a l'ami Kylian, 2 cartes de baseball et un lot classe VMAX. Où est-ce qu'on en est? Ok, on est à Fiong, 12 cartes de Fiong. Un Florizarre anglais. Des petites shiny de. Je me souviens plus du nom de la série. Destiné au culte? Non, c'est pas ça, Destiné au culte, si. Je sais plus, peu importe. Un Démolos japonais. Et du Dragon Ball, du Magic. Puis, 5 cartes de Johan. Donc, on a un Magnézone. En français, comment il s'appelle? Dryol. Ouais, Dryol, c'est ça. Cizayox, Lugia et Mentali. Juste remettre le tas. Hop. Que le tas se casse pas la gueule, si possible. 20 cartes de Cristiano. Donc, pour ceux qui connaissent Cristiano, vous vous doutez bien de ce que ça va être. Des tortues, des tortues, des tortues. Et encore des tortues. Je suis pas sûr que PSA gratte ça par contre. Je vais vérifier vite fait, mais il me semble que PSA gratte pas ça. Trente-trois cartes de Victoria. Si je me trompe pas, c'est que des cartes qui viennent des ouvertures qu'elle a pu faire ces dernières années. Donc notamment une Display Expédition japonaise. Des boosters McDo. De magnifiques cartes de VS. Les. Ouais. Ça, c'est les cartes coréennes qui viennent de chez moi, je crois. Les holos. Bon, pour le coup, les holos, ça vient pas de chez moi, clairement. Ensuite, après les 33 cartes de Victoria, on a 6 cartes de Thomas. Donc de Murcielago. Voilà. Une carte de Tom. Fenard de Jean. Alors là, on attaque du assez lourd. 32 cartes de Pierre-Louis. Il y avait du lourd avant, hein, attention, mais là. Je crois que c'est un truc qui a pris une certaine valeur ces derniers mois, ces dernières années. Donc du Jim édition 1. Presque toutes les holos de la série. Donc Jim Heroes et Jim Challenge. Plus un Mew Kurokuro. Et là où je dis qu'on attaque vraiment du lourd, c'est parce que. Juste après, on a Nicolas qui propose un envoi assez similaire. Donc, quelques françaises d'abord. Et puis, voilà. Encore du Jim édition 1. En veux-tu, en voilà. Avec trois Dracaufeu. Mais sur les trois Dracaufeu, je crois qu'il y en a un qui appartient à Pierre-Louis, justement. Donc, voilà. Un Darkrai Chu. Et un Démolos de Skyage. Ensuite, on a 17 cartes de Guillaume. Désolé, hein, je suis un peu fatigué. Alakazam, Tortank, Arcanin, Français. Et ensuite, on est sur du Jap. Voilà. Après, on a 6 cartes de Romain.
Ok, donc deux ex du bloc ex et puis du Yu-Gi-Oh! Après les 6 cartes de Romain, on a 36 cartes de Isaac. Avec des cartes qui me plaisent beaucoup dans le lot. Que vous allez voir bientôt. Les voilà. Les Warner Bros. Kids. J'ai fait une vidéo sur ces cartes-là. Cette carte-là qui a pris une cote monstrueuse en anglais. Pareil pour celle-là. Un Mélodelphe, nos symboles. Nos symboles, tout simplement. Kabutops édition 1. Un Dracaufeu obscur. Hypnomade obscur édition 1. Enfin voilà, on enchaîne. Il a fait une armée de Néo-Destiny, par contre, je crois qu'il y a 8 Ectoplasma et 8, 8 Dracolosses. Ensuite, on a 18 cartes de Vincent. Alors, faut savoir que ces deux holos-là, enfin ces deux cartes-là, il est venu chez moi, il a regardé ma collection de boosters, c'était ceux de ma collection, hein. Il a pesé les boosters de ma collection, il a vu deux lourds, il a voulu me les acheter, les ouvrir directement. Premier booster, boum. Deuxième booster, boum. Ces trois holos VS viennent aussi d'une ouverture qu'il a fait chez moi. Bon voilà, du coup j'ai spoilé, ça va être la prochaine vidéo en plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est du Magic. Je connaissais pas ce design de carte, mais voilà, c'est du Magic. Ensuite, c'est promo, Pokémon, et la grande partie. Et on a eu le dernier arrivé, Benjamin. Il a envoyé ses cartes en plus fin mai, je crois, ou début juin, je sais plus. Les cartes sont arrivées très très tard. Alors qu'il envoie de Belgique seulement. C'est envoyé seulement de Belgique, mais. Ça a pris 3 ans, 300 ans, c'est resté bloqué à la douane et tout, alors que. Normalement, Belgique-France, ça va quoi. Après, il y a mon envoi à moi. Alors, moi, c'est compliqué. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'envoie ces 5 cartes. Voilà. Et ensuite, j'ai décidé de faire un gros envoi. J'ai fait une présélection. Mais. Alors, je vais pas avoir assez de top loader, je vais peut-être pas avoir assez d'argent non plus, je sais pas. Mais grosso modo. J'ai sélectionné tout ça. On va faire vite fait le tour. Il faut que je me décide vite lesquels j'envoie, lesquels j'envoie pas. Mais alors dans ce tas-là, tout ce que j'ai sélectionné, normalement c'est minimum 9. J'ai pu me tromper après, hein. J'ai pu ne pas voir certaines choses. Mais théoriquement, c'est minimum des 9. La 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 la. Hop, 4 mentali. Ça fait des mois et des mois, peut-être des années même, que je participe pas aux envois. J'organise les envois, mais je participe pas. Ou alors je participe en envoyant une ou deux cartes à chaque fois. Ouais, il fallait que je rattrape mon retard, on va dire. Il fallait que je rattrape mon retard. La 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 la. Donc ouais, il y a des cartes, il y a quelques cartes. Là c'est les CP6, hein, c'est la réédition évidemment. Ok, plus ça. Alors ça c'est toutes les holos. Alors j'ai mis Osley en plus, mais sinon ça c'est toutes les holos d'un même lot que j'ai acheté sur eBay en Angleterre en 2016 ou 2017, je sais plus. C'était sous forme d'un Pokédex le lot en fait, tous les Pokémon des deux premières générations, une carte pour chaque Pokémon, et le lot était en état incroyable. J'ai dû gagner l'enchère à 200-250 euros, je sais plus. Je sais plus si c'était 150 ou 250, je sais plus. Mais en tout cas, les cartes étaient super propres. J'ai pas vérifié les cartes une par une pour le coup sur ce lot. Mais je pense que je vais tout envoyer telle quelle, juste pour le délire du fait qu'elles viennent toutes du même lot. Voir un peu, voilà, toutes les cartes du même lot, quelles notes elles auront.
Donc ouais, c'est les 251 premiers Pokémon. J'ai pas inclus les cartes non-holo ici. Mais ouais, le lot, c'était tous les 251 premiers Pokémon sur les séries classiques. Donc sans Team Rocket et sans Neo Destiny. C'est-à-dire sans les cartes obscures, lumineuses et tout. Vraiment les cartes basiques. Voilà. Donc ça me fait beaucoup beaucoup de cartes. Il faut que je coupe un peu tout ça. J'ai en sélectionné une centaine peut-être, un truc comme ça. Il faut que je fasse vite parce que je suis censé envoyer cet après-midi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et bonne chance à tout le monde. Au revoir.